Bonjour tout le monde, une vidéo avec, vous l'aurez constaté, un effet de surexposition volontaire. Je trouvais que c'était très joli, mais bon, voilà, à vous de juger, hein. Alors, je vais encore vous parler des pervers, hein, et notamment, et en particulier, devrais-je dire plutôt, de ceux que j'ai subis, puisque moi je trouve que beaucoup de vidéos ont le tort de se perdre en généralité, et on a l'impression que les personnes, hein, qui parlent des pervers, parfois on a l'impression qu'elles n'en ont jamais vraiment rencontré. Hein. C'est très inquiétant, pas toutes, hein, mais j'ai repéré certaines chaînes où on a vraiment le sentiment qu'elles ne connaissent pas leur sujet, si, enfin, elles le connaissent, mais de façon uniquement livresque. Bon, tant mieux pour elles, à la limite, hein, j'ai envie de dire. Là, donc j'ai parlé de ceux qui affectionne le silence radio, ceux qui nous privent de notre activité préférée, ceux qui s'ingénient à nous entourlouper en parlant d'un premier livre ou d'une première toile, si on peint, et pas de celle qui nous tient à cœur, le deuxième ouvrage qui nous tient à cœur et dont on a envie d'entendre parler, qui ne nous en parle pas, de façon volontaire, je le précise, hein, ce n'est pas dans notre imagination, malheureusement, hein, j'aurais bien envie que ce soit le cas, c'est parfois le cas d'ailleurs, mais là, les cas auxquels je pense, malheureusement, c'était de la malveillance, hein. Il y en a eu deux, hein, deux cas comme ça, au moins. Voilà, donc, en dehors de ces profils-là, j'ai également rencontré des pervers qui harcelaient pendant des années et des années, hein. Moi, ça ne m'a jamais tellement fait de mal, je dirais. Ça m'a irrité au départ, hein. J'ai essayé de faire cesser toutes ces choses, mais on m'a dit, attention, ça ne servira à rien, c'était il y a très longtemps, hein. C'est quelqu'un qui continue à laisser des messages ironiques et qui en a laissé pas mal sur des sites, après mes livres, en parlant de la sensualité de mes livres, je ne sais quoi, enfin, des choses absolument ridicules. Et la caractéristique de cette personne, de ce harceleur, c'est qu'il n'est jamais ouvertement insultant. Il n'est jamais ouvertement insultant, mais il est quand même pénible et nocif, du moins au tout début, hein. Après je me suis fait une raison, hein, et ça ne faisait strictement rien. Ça m'a plus irrité que blessé. Et c'est quelqu'un donc qui va harceler de manière finalement assez habile, même si c'est assez lourd ce qu'il nous raconte, hein, sur internet, sur mon compte, c'est lourd, mais c'est habile puisque il n'est jamais ordurier, insultant, tout est dans l'ironie, dans le sous-entendu, et de ce fait, je ne peux pas me plaindre directement, puisqu'on va me répondre « Ah oui, mais vous voyez, il ne vous insulte pas, il ne vous traite pas de connard, de tout ce qu'on peut imaginer d'habitude. » Et voilà, c'est à la fois, ça reste poli, mais en même temps, c'est très insidieux, et d'autant plus que tout ce côté-là, tout ce harcèlement, il le déploie aussi en direction de personnes qui me connaissent, et qui ne le prennent absolument pas au sérieux, qui le considèrent comme une pauvre créature, hein. Mais cette pauvre créature, contrairement à d'autres, elle a au moins un avantage, ce bonhomme-là, quand même. Hein. Et c'est pour ça que, sans doute, je ne lui en veux pas autant qu'à d'autres, il le fait à visage découvert. Voilà, il y a au moins un certain courage dans son action, puisqu'il ne se cache pas derrière un pseudonyme pour insulter les gens, même de manière insidieuse et de manière, comment dire, au second degré. Hein, voilà. Mais dans des cas comme ça, je pense qu'on peut éventuellement faire appel, si on vraiment a envie de faire cesser les bruits à la CNIL, hein, ça peut être utile, mais à la limite, autant les laisser, puisque ça fait parler de vous, si vous êtes auteur, si vous êtes peintre, si vous êtes sculpteur, et finalement on parle de vous, hein, c'est toujours bien, et il faut le prendre comme ça. Et finalement, celui qui insulte, même de façon insidieuse, c'est lui, il s'insulte plus qu'il n'insulte la personne, puisque en ayant cette attitude puérile et permanente, hein, puisque ce sont des choses, on a l'impression que ces gens pensent à vous finalement tous les jours, et bien ces gens finalement ils s'insultent plus eux-mêmes qu'ils n'insultent la victime. Hein. D'ailleurs, ce ne sont pas vraiment des insultes, ce sont plutôt des petites piques irritantes qui peuvent être
destructrice à long terme auprès de personnes qui le prendraient au sérieux, ce qui n'est pas mon cas. Mais ce qui est intéressant quand même dans le cas que je vous expose, c'est que finalement, ces gens, ce type-là, ce type de personnes, pensent à vous constamment, quasiment tous les jours. Je dirais pas à toutes les heures de la journée, mais presque, hein. Et d'une certaine manière, ça reste valorisant, ça reste quand même extraordinaire. Moi, je ne pense pas à des personnes, c'est rare que je pense à une personne tous les jours, à chaque minute. Eh bien, ces gens-là pensent, enfin, ils ne sont pas très nombreux, pensent à moi tout le temps. Voilà, voilà, on va terminer sur une note positive. Pour utiliser une tournure moderne et un peu niaise que l'on utilise trop souvent à mon sens, mais pour une fois je la trouve utile. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.